ces familles victimes, hey, à tous ces enfants touchés et blessés, oui, dans leur amour propre. Ramana, que sa voix pour vous et partage vos peines avec vous depuis le pays des hommes intègres. Depuis le pays des hommes intègres. Ça se passe sur la radio Tilgri FM. L'émission, c'est Génération du 21e siècle. Recevez-nous du lundi au vendredi entre le cap de 9h et 11h, piloté par Fouken Sam Diabati et Muriel, bien sûr. La version, c'était Cri de cœur, Ramala Slamé, dames et messieurs, amis fidèles, auditeurs, auditeurs, comme on vient de le citer avec, bien sûr, ma chroniqueuse. Ramala Slamé, bien sûr, libre depuis hier, 16h. Et c'est un message de remerciement. Elle laisse donc à l'égard de tous ceux qui l'ont soutenu dans les moments difficiles. Elle le dit simplement, pardon. Salut aux dignes fils et filles de Burkina Faso, en particulier mes fans et mes admirateurs dévoilés et secrets. Avant tout propos, j'aimerais donc dire merci à une liste d'artistes burkinabés qui sont entre autres Bamos Théo, et Mades Ameti Meria, Edak Bassavé, Tines, la déesse, Yad Bilou, Ouidra, sans oublier également Hervé David Onla, le groupe musicien de la police, Oskimo Josek, Adia Divine, Benino, le petit Waba, et merci infiniment à vous. Et oui, cette liste d'artistes restera gravée dans ma mémoire éternellement. Et sachez que ce respect à cet esprit de grandeur vous seront réintégrés dans les bons moments et les mauvais moments de votre vie. Merci à vous et au-delà des mots. Quant à vous, mes fans et mes admirateurs dévoilés et secrets, je vis vos différentes publications sur les réseaux sociaux pour vos soutiens inconditionnels à mon égard. Les mots me manquent pour vous exprimer ma profonde gratitude. Merci à vous, mes fans et mes admirateurs dévoilés et secrets. Sachez que je vais bien et j'ai été mis en liberté aujourd'hui aux environs de 16h. C'était hier, bien sûr, hier 13 décembre. Oui, hier 13 décembre, c'est ça. Hier 13 décembre, jeudi 13 décembre. Merci à vous encore. Quant à vous, mes détracteurs, permettez-moi de vous dire merci, de vous dire aujourd'hui que l'enfant qui a fait 88 jours dans la forêt sacrée des esprits ne peut pas être intimidé par une cellule des mortels. Sachez également qu'une chienne ne peut pas consoler une lionne. Alors, Muriel a laissé fuiter Rama la Slameuse, dénommée fierté nationale d'après les gens. C'est la fierté nationale. Et dames et messieurs, et quelques commentaires donc qui viennent répondre donc au message de Rama la Slameuse, qui lui dit tout simplement: et oui, Rama, bonne arrivée, pardon, ne nous mélangez pas ici. On traite dossier par dossier actuellement. Bref, 3 points de suspension, on n'est pas mélangé les dossiers. Et à une certaine, bien sûr, qui répond tout simplement: si les lions laissent la brousse pour vivre avec les hommes, on ne peut que se terminer ainsi. Ça ne peut que se terminer ainsi. Et tiens-toi bien, prochainement, ça ne sera plus garde à vue, mais on t'enverra directement au parc d'Arly pour y vivre avec tes semblables. C'est là-bas ta place. À bon entendeur, salut, une affaire à suivre, toujours avec cette même slameuse-là. J'espère que le message est passé. Et oui, si le pauvre ne peut pas obtenir justice, si la justice elle-même fait des injustices, alors et de l'injustice, si ceux-là qui sont censés nous véhiculer des bons messages se retrouvent donc des détracteurs, se retrouvent donc des acteurs d'incivisme, une affaire à suivre. Voilà, toujours avec Rama, une affaire de justice africaine, ça se passe sur l'antenne.